Hello, hello, mes chéris, bienvenue. J'espère que vous allez bien. À notre rendez-vous Secret de femme d'aujourd'hui, je vous partage cette astuce sur cette plante bien connue par les femmes depuis des lustres en Afrique. On appelle ça le guéni ou encore goé au Sénégal. C'est une plante qui a plus d'un tour dans son sac car ses vertus sont vraiment immenses. Voilà comment faire une infusion de goé pour prendre soin de son jardin secret. Pour cette infusion, je vais utiliser du djeka, quelques feuilles de djeka que je vais soigneusement laver et puis ajouter ça à de l'eau bouillante. Ensuite, je vais aussi découper quelques branches de vétiver qu'on connaît sous le nom de gongon lily que je vais ajouter. Je les ai bien lavées, donc je les ajoute à cette infusion. Vous allez voir, l'infusion est vraiment, vraiment très facile à faire. Donc, après avoir ajouté ces deux ingrédients, je vais ajouter notre ingrédient phare aujourd'hui qui sont les graines de guéni. J'en avais pas assez sous la main parce que je l'utilise vraiment régulièrement à cause de ses bienfaits. Donc, il m'en reste juste quelques-unes que je vais utiliser, mais c'est assez pour la recette d'aujourd'hui. Alors mes chéris, il faut bien laver les graines de guéni pour pouvoir enlever aussi les impuretés et puis ajouter ça à cette infusion. Mettez assez d'eau et puis laissez frémir pendant 15 à 20 minutes. Alors mes chéris, ce que tu dois savoir sur les graines de guéni, c'est que cette plante permet d'évacuer toutes les impuretés du jardin secret, mais aussi de le maintenir frais tout en lui évitant les mauvaises odeurs. C'est aussi un puissant aphrodisiaque quand elle est combinée avec le gongon lily qu'on a utilisé ici. Donc gongon lily, djeka, c'est des plantes qui sont vraiment vertueuses pour la femme. Surtout, en tout cas pour le maintien de ta féminité, c'est des plantes qui sont déjà connues. Les graines de goé ou guéni sont des graines qui sont utilisées par nos mamans pour resserrer le jardin depuis des lustres. Mais elles sont aussi utilisées après l'accouchement pour nettoyer le ventre et se débarrasser des impuretés. Elles luttent aussi contre les règles douloureuses. En plus de ses bienfaits sur la féminité, ces graines sont aussi utilisées pour la fabrication de l'encens ou wuslan ou churai, dépendamment de là où vous êtes. Cette plante a joué un rôle dans la stabilité des foyers en Afrique depuis des générations et continue encore aujourd'hui pour les connaisseurs. Donc voilà mes chéris, aujourd'hui je vous ai parlé des graines de guéni. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à prendre soin de toi et puis de ta féminité. Donc d'ici là, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo de Secrets de femmes sur ma page. D'ici là, on se parle bientôt. Bisous, bye bye, prenez soin de vous, bye bye.